Donc quand t'arrives en école de co, la première chose que tu fais, c'est de rajouter un décapsuleur sur ton porte-clés. Bah alcool et école, si ça rime, c'est pas pour rien. Entre les apéros, les before, les after, mon balcon ressemble de plus en plus à un rassemblement de crocs. Le pire, c'est que des fois, je veux pas y aller aux soirées, mais les affiches sont trop convaincantes. Alice au pays des bouteilles, la route de la soif, le tour du monde en 80 verres, l'Escobar. Ah, pour trouver des noms, on est fort, mais pour aller en amphi le lendemain, une classe qui normalement ressemble à ça, devient ça le vendredi matin, avec tout le monde au fond. Et le cours c'est stats. Ils pouvaient pas nous mettre un truc bien pipeau pour des cuvées genre marketing ou marketing, oui, faut qu'on en parle. Si tu pensais que la physique était la seule matière qui étudiait le vide, tu t'es planté. Voici la définition exacte qu'on m'a apprise. Le marketing, ce n'est pas vendre, c'est faire acheter. Nique ta mère. B2B, B2C, to be or not to be, le marketing c'est un cours où il y a tellement de vent. Quand tu ressors de la salle, t'es Avatar, le maître de l'air. En gros, t'apprends principalement à jouer avec les mots, quoi. On t'initie au langage du manager. Démonstration. Étape 1, se valoriser. On ne dit pas j'ai plus une thune, mais je considère une levée de fonds. On ne dit pas ma boîte a coulé, mais l'entreprise a préféré pivoter. C'est un état d'esprit, toujours arrondir les angles. Étape 2, le franglais. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus un appel à passer. Tu as une conf call. Tu ne présentes plus, tu pitches. T'es en train de réfléchir là? Non, tu brainstorm. C'est un peu tricky comme process, mais faut que tu practice. Étape 3, practice. C'est là que les assos entrent en jeu. Donc petit rappel, dans une école il y a beaucoup d'associations qui apportent de la vie au campus et te permettent de faire ce que t'aimes. Sauf que certains ne s'y inscrivent pas pour ça, mais pour atteindre un statut dans l'école. En effet, certaines assos très select t'offrent, si tu réussis leur recrutement, un polo qui te différencie de la plèbe. Avec ça, tu es désormais quelqu'un. Tu comptes sur le campus. C'est ridicule. De 1, à quel point tu peux être superficiel, la popularité dans une école plus éphémère, tu meurs. Et de 2, c'est qu'un polo quoi, c'est 20 balles. Comment tu peux accorder tant d'importance à un bout de tissu? Et donc je suis devenu vice-président de l'association d'éloquence de l'ESSEC pour practice le langage du manager à travers divers débats sur des sujets qui importent vraiment. Cher ami, combien de trous a cette paille? Bah 2. Ah bon? Pourtant je n'en vois qu'un. Cher ami, combien de trous a cette paille? Bah 1. Ah bon? Pourtant j'en vois 2. Cher ami, combien de... Ça dépend. Soit c'est un trou qui traverse toute la paille, soit c'est deux aux extrémités. Oh, tu l'es beau ! Bref, trêve de mondanité. On va quand même parler un peu des cours, hein, parce que... Donc là, je vais déjà rentrer en deuxième année. Ça passe super vite. Et le truc, c'est que quand je fais le bilan, quand je me demande... Qu'est-ce qui s'est passé cette première année ? Bah, je me souviens pas trop, quoi. Henri va nous danser la danse du limousin. T'arrêtes ça tout de suite. Le problème, c'est que t'as tellement trimé en prépa pour avoir l'école que quand t'y arrives et qu'on dit qu'il faut encore bosser, c'est quoi cette douille ? Du coup, comme il suffit d'avoir 10 par module pour valider, tu check quelle matière a le plus gros coef, tu la gères, puis tu fais le strict minimum dans le reste. Si par chance t'as eu 18 là, t'enchaînes les deux, tu t'en bats les couilles. Ah, c'est que de la strat, même pour les révisions, quand le prof te dit « Alors pour le contrôle, vous aurez le droit à une feuille de notes A4. » T'écris en police 1. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on retient rien. En école, on est tous atteints du SOPP, le syndrome d'oubli post-partiel. C'est-à-dire que tu vas à l'examen, tu donnes tout ce que t'as, et à la seconde où tu sors de la salle, blackout. Ah, c'est fini, t'as oublié. Si je te redonne immédiatement le même sujet, tu sais plus faire. Si par malheur t'es en rattrapage, tu dois reprendre les révisions à zéro. Et c'est ce que j'ai fait. Ah, c'est chaud, je faisais partie des 3 clowns qui ont failli redoubler parce qu'on bossait pas assez. Comment ça, pourquoi? Mais parce qu'on avait autre chose à foutre. Ouais, faire des vidéos, ça prend du temps. T'as vu, j'ai réussi à caser Le Pen, Macron et Mélenchon dans la même vidéo. Manquerait plus que Jean Lassalle te demande de t'abonner. Je te jure, le seul théorème que j'ai retenu en un an, c'est le théorème de novembre. Et ça m'a fait mal! En vrai, globalement, ce qu'on t'enseigne en études de commerce, t'as pas besoin de cours pour l'apprendre si t'es un minimum filou dans la vie. Mais si tu payes aussi cher ces écoles, c'est surtout pour les gens que tu vas y rencontrer. Y'a des bons intervenants, connaître d'anciens élèves peut te permettre d'obtenir des stages. Parce que bon, faire stage chez Le Rire Jaune avec ce gars en patron, Et ça se trouve, ta voisine sera future ministre, qui sait? À la base, j'aime pas tisser des fausses relations comme ça juste par intérêt. Mais vu que tout le monde autour de moi le faisait, je me suis adapté. Ah bah j'ai joué le jeu, hein! Maintenant, tous les jours, je suis posé avec Jacques dans son château. Je vais repérer, je contacte, je crée mon réseau. On a le même polo. Oublie pas de follow back quand je t'aurai follow. Mon numéro, LinkedIn et CV gros. On est potos ou pas? Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui vient compléter celle de mon frère d'il y a 3 ans sur les grandes écoles. Si ça vous a plu, partagez-la et surtout, n'oubliez pas. Abonnez-vous à la chaîne Le Rire Jaune. C'est des bons. Abonnez-vous à Rire Jaune.